tous. Aujourd'hui, je vais vous dire le top 10 de mes coureurs préférés. Alors, en 10e, nous avons Benoît Cosnefroy, qui est un coureur que j'aime bien parce que il a assez d'expérience, il est un peu bon partout. Donc, moi, je l'apprécie. En 9e, nous avons Jason Tesson, qui est un coureur de la Total Energy, mais sur les photos, j'ai trouvé que Saint-Michel, Aubert 93, donc voilà. Il m'impressionne énormément pour son équipe. En 8e, nous avons Cécilie Uttrup-Ludwig, qui est une coureuse danoise de la FDJ Suez, qui a gagné une victoire sur le Tour de France féminin. Alors, en 7e, nous avons Warren Barguil, qui est un coureur de la Arkea Samsic, que j'aime bien parce que non seulement il est breton comme moi, et sinon, il a gagné un maillot à pois à l'équipe Sunweb. En 6e, nous avons Arnaud Démare, qui est un coureur de la Groupama FDJ, qui a été 4 fois champion de France, je crois. Donc, je l'apprécie. En 5e, nous avons Annemiek van Vleuten, qui est la championne du monde en titre, qui m'a beaucoup impressionnée parce que avec un coup de cassé, elle a quand même été capable de gagner le championnat du monde. Alors, son côté masculin, c'est Remco Evenepoel qui est le champion du monde, que j'aime bien parce qu'il gagne, il a gagné la Vuelta, le championnat du monde. Alors, en 3e, nous avons Primoz Roglic, qui est lui que j'apprécie parce que sa course à lui, c'est la Vuelta. Il gagne souvent la Vuelta, donc moi je l'apprécie. Hein. En 2e, nous avons Wout Van Aert, qui lui m'impressionne énormément parce qu'il est capable de tout. En montagne, il est capable d'aider Jonas Vingegaard. En sprint, il sait sprinter, il sait rouler, il sait même faire du cyclocross. Il gagne un peu partout, donc moi je l'aime bien. Et mon coureur préféré est le Slovène Tadej Pogačar, qui m'avait beaucoup impressionné, notamment en 2020, parce qu'il avait déjà gagné un Tour de France à son âge, chose qui était très incroyable. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le cyclisme. Si vous aimez, revenez-en. Et au revoir.